Bonsoir à tous, merci d'être là. Je voudrais remercier Katia pour l'invitation. Et je voudrais remercier notre sponsor Uncine, Rio Filme, BNDES, Yoi. E, bom, je laisse la parole à Guilherme. Bonsoir, merci d'être venu. On est tellement heureux d'être là. Je suis personnellement émotionné parce que j'ai vu beaucoup de films qui ont presque seulement Rosetta ici dans cette salle il y a 15 ans. Et ces films ont changé ma vie, m'ont donné l'envie de faire le cinéma, certes cinéma. Et que j'ai commencé avec Falatou, que c'était un documentaire qui était ici aussi dans cette salle avec le festival. Et je remercie au festival d'être en Lyon, au lieu du cinéma brésilien, ici à Paris, du cinéma à Paris. Et ce film-là, c'est d'après un roman de Milton Atum, c'est un écrivain d'Amazonie, et qui on a mis on a donné l'envie de faire un film sur une autre Amazonie, pas l'Amazonie idyllique qu'on pense toujours. Donc moi j'aurais une question. Vers la fin du film, il y a un changement de rythme assez marqué qui s'établit. Est-ce que vous pourriez parler un peu de ce choix? Oui, on a toujours pensé les films dans deux phases. Dès le scénario, on a pensé les films comme un film prise, comment dire, coincé dans une maison, c'est la maison principale, c'est la principale location. Opa. On a pensé toujours le film comme un film en deux phases, un film coincé dans une maison. Et après un river movie, parce qu'on voulait faire un film qui c'était un film de rivière et pas un film de forêt, parce que la forêt c'est très difficile de filmer, la forêt c'est très difficile de filmer la couleur verte, et on voulait faire un film qui était à la rivière et qui se perdait dans la rivière. Se perd dans la rivière, comme le personnage se perd dans la deuxième moitié du film. Et cette moitié du film, la deuxième partie du film, c'est très différent formellement, parce que la caméra est plus... c'est la main, les temps psychologiques sont autres. Mais c'est intéressant parce que dans les scénarios, on pensait qu'on aurait du problème avec la deuxième partie. Et on a vu que la deuxième partie était filmée avec plus de liberté. C'était, je crois, mieux pour monter que la première partie, que c'était une partie très formaliste, peut-être. C'était un film qu'on voulait faire avec stylisation et en partie pris formaliste. Pour essayer d'achever un ton presque fantastique, mythique, pour parler d'une fable. C'est une fable d'après le roman de Milton Atum. Donc c'est ça, j'espère qu'on a embarqué de différents moments, parce que ce film, c'était un film qu'on voulait faire pour être continu par vous. Et je crois, j'ai découvert un cinéma qui est possible aujourd'hui, peut-être. Et moi, je veux me mettre à faire du cinéma à partir de ce film-là, qui célèbre les différences, qui existe à l'altérité, qui existe au contact de l'autre. Je crois que le narratif aujourd'hui, le narratif de cinéma, qui ont le privilège d'avoir vous dans une salle de cinéma, d'avoir nous dans toute une attention, doit faire fleurir, je ne sais pas si ça existe, faire notre subjectif, une subjectivation et notre différente lecture d'une même histoire.
J'ai une question, mais je n'ai pas besoin d'intro. Justement, à partir de ce que vous venez de dire, est-ce que cela est plutôt possible à partir d'une œuvre littéraire? Je crois que j'étais fiel, mais il faut être, il faut trahir peut-être pour être fiel. Je pense à en France. Excusez-moi. Mais on a changé beaucoup. Le film est très différent du roman. C'est une novella. Et je m'intéressais sur le novella de Milton parce que, comme vous savez, le novella comme genre littéraire, c'est plus nouvelle, c'est plus directionné dans une ligne dramatique et c'est plus concentré dans un personnage que le roman. Le roman peut être n'importe quoi, peut aller dans différentes directions. Les nouvelles, il faut suivre un chemin plus strict, étroit. Et je crois que les bons films prennent 20 pages d'un livre. Et on essaie de faire ça, mais être fiel aux sentiments du personnage et à l'atmosphère de Milton. Mais on a changé beaucoup. On a mis le film dans un temps contemporain, un temps suspendu. Suspendu. Et quand la nouvelle, c'est au début du siècle, du 20e siècle. Et il y a des personnages qu'on a combinés, on a fait une fusion. Mais je crois que l'auteur est heureux. Et l'auteur du livre est le peu cher à la fin du film que donne en passion au personnage. La première partie de la question concernant la question de savoir si cette multiplicité au niveau du regard elle vient de la littérature ou elle est spécifique au cinéma, vous voulez peut-être oui, ça c'est la question la plus importante pour moi maintenant. Je suis décidé à étudier et investiguer ça académiquement et spécialement en faisant du cinéma. Mais non, je crois que pour vous répondre, la littérature nous donne peut-être la musique aussi, certainement la musique, même plus, nous donne la possibilité de lire différemment, même matériel. Et je voulais faire ça au cinéma, parce que je fais du cinéma. Je crois qu'on peut faire ça au cinéma, indépendant si c'est une adaptation ou si ce n'est pas une adaptation. Mais pour moi, maintenant, ce que je veux, comme réalisateur, c'est de m'inspirer pour cet langage, cette ouverture, qui c'est le concept d'ouvre-ouverte d'Umberto Eco, qui est parti de moi, et aussi de Walter B. Je m'y ai écrit ça sur l'essai Les Narrateurs. Et il faut qu'on essaye de faire ça au cinéma aussi, parce que c'est une manière du cinéma de résister. Et comme un laboratoire de comportement humain et d'image et des sons. Le micro devant. Oui, c'est moi. Congratulations pour les films, c'est très bien, à vous et à votre équipe. Mais c'est juste une petite question en curiosité. Parce que les films, ils terminent avec une chanson d'un chanteur brésilien qui s'appelle Jorge March. Et il est dédié aussi à, j'ai vu, à Amora. Je sais que George Martin, il a une fille qui s'appelle Amora. C'est la même personne ou pas? Non, elle n'a rien à voir. Non. Okay. Coïncidence. D'accord, merci. Je voudrais juste rajouter que le film, c'est les premières fictions de Guilherme. Il a fait des documentaires avant, mais il n'a pas même fait un court-métrage. Et quand il est venu avec l'idée d'adapter un des plus grands auteurs brésiliens
On a tous été un peu... Oui, lui-même. Mais... Moi aussi. Oui, surtout oui. Mais et surtout au Brésil, parce qu'ils nous ont très reconnus là-bas. Mais une des meilleures choses, je pense, pour tous, c'est que Newton, il était vraiment ravi qu'on ait vu la première cut du film. Il a même fait partie d'une scène. Et au Brésil, ça commence à devenir tout régulier, les adaptations des romans. Et comme la littérature brésilienne est plus reconnue que le cinéma, c'est très intéressant ce travail. Et on est très content que Guilherme il a le courage de le faire. Et je pense qu'il est très content avec les. Et tu as lu le livre, le scénario, les films. Comment ça a changé pendant le procès? Les films, il est très différent de les romans, de la nouvelle. Surtout parce que je ne veux pas gâcher l'histoire du livre, au cas où vous s'intéresse à lire, mais la personnage qui on ne sait pas si c'est un rêve, c'est une histoire qui Guilherme il a inventé complètement et Milton il a beaucoup apprécié, nous aussi. Merci. Oui, justement, moi je voulais poser la question, mais vous avez en partie répondu. C'était, puisqu'il y avait tant de différences entre le roman et votre film, je voulais savoir justement quelle avait été votre façon de travailler avec Milton et quelle avait été sa réception, justement, puisqu'il est effectivement dans le film, donc sans doute a-t-il apprécié. Mais personnellement, je trouvais, dans la mesure où le film et le roman ont le même titre, et qu'il y ait autant de différences. On n'a pas travaillé avec Milton, parce que il est tellement une figure imponente, et je suis vraiment fan de Milton, donc je vais perdre d'être influencé, mais j'étais déjà influencé par son œuvre et je ne voulais pas qu'il... Mais spécialement parce qu'il m'a dit depuis le début qu'il faut que je fasse un film, il faut que je fasse un film qui était une œuvre à l'aim, au-delà de son œuvre. Il m'a dit ça et ça restait avec moi. Et je savais que le livre était un livre, le film serait une autre chose. Donc on a fait différents traitements, différentes versions du scénario, avec de narration, sans narration. Je savais que c'était un film, c'est aussi mon premier scénario que je filmais. J'avais écrit un scénario avant, mais je n'ai pas filmé. Mais je savais que c'était un film qu'il fallait que j'écris, parce que c'était un film qui... Parce que quand on écrit un film comme ça, on est un film qui essaie d'être un film plus subjectif, plus de sensations. On pense à la mise en scène, on fait la mise en scène pendant l'écriture. Et je voulais toujours faire un film, je veux faire un film comme on écrit, et pour laisser les portes ouvertes aux autres perceptions, et que c'est vous et que le film n'existe que quand il rencontre vous. Et la réception de Milton était surprisement bien. Alors bonsoir, d'abord bravo, hein, vraiment les images, ça
tu es un peu la saudade de la région. Et j'aurais deux questions. La première, c'est où tu as tourné, justement? Et quelles ont été les difficultés que tu as retrouvées pendant le tournage? Parce que j'imagine que... Voilà, merci. Merci. On a tourné un film. C'était un bon art fan. Un laps freudien. Un lapsus. Parce que j'ai fait ce film parce que je suis tombé amoureux de Berlin, qui c'est une ville, comme vous savez, à la bouche de la bassine amazonique. Et je me suis tombé amoureux pour la ville, pour les gens qui sont des gens qui lisent des livres et qui parlent des livres au coin au bar et tout ça. Et c'est une ville qui a une tradition longue, une tradition importante, tradition visuelle des photographes qui aujourd'hui a une forte scénario, une forte scène musique au Brésil. J'étais là-bas quand j'étais écrivant un scénario sur Une autre histoire, sur une histoire de mon grand-père qui vivait à Belém, qui est né à Belém. Quand Milton a lancé le film, le livre, et donc je savais que je voulais filmer à Belém. Le livre s'est inspiré dans un autre village, c'est un village au milieu de l'Amazonas qui s'appelle Parintins, qui c'est un village qui malheureusement est devenu un village de plastique parce que Coca-Cola et Bradesco, qui c'est un grand banque brésilien, on a investi beaucoup sur une fête idiotique de boy, comment dire, fête avec des bœufs. C'est pas Boy Néon, c'est un grand film, mais c'est un autre bœuf de plastique, en fait, des choses absurdes. Et c'est une ville qui n'existe pas comme Milton l'a vécu il y a 40 ans et comme il l'a imaginé pour le livre. Donc je voulais filmer à Belém, on a filmé à Belém pour 5 semaines, on a filmé 4 jours au nord de Manaus, à Anavilhanas, qui est un archipelago très très unique. C'est un des lieux plus fascinants que je connais. C'est comme un désert de l'eau. Il n'y a que l'eau et quelques îles. C'est incroyable. Toutes les scènes de fantasy au film ont été tournées à Anavilhanas. Et pour les défis de production, Tatiana, Mariana Ferraz et Diana Ferreira, on a tous travaillé beaucoup ensemble pour préparer les films. C'était un film qu'on a filmé beaucoup à la rivière, c'est plus difficile, c'était peut-être le plus difficile, la partie plus difficile, c'est la partie de la rivière. Mais c'était une production très, très calme. Encore des questions? Bon, bah, je vous. Ah, une dernière question alors. Est-ce que vous avez un prochain projet de film? Oui, je compte avec vous pour penser à cette fois. Non, oui, j'ai un prochain projet. J'étais hier à Rio en travaillant sur ça. Sera filmé à Rio parce que j'ai promis à mes enfants que je ferai un prochain film à Rio parce que pour nous voyager. Et c'est une histoire d'une femme qui fait la science au Brésil, peut-être dans un futur prochain.